Shirka, le résultat est toujours le même. Je n'arrive pas à y croire. Shirka, vérifie mes calculs. Le pourcentage d'exactitude est toujours le même. Si on ne s'est pas trompé, cette trajectoire nous emmène droit vers les glaces galactiques. C'est le résultat de l'ensemble des données que j'ai pu enregistrer sur l'espace de l'Olympe. Quand je pense à toutes nos aventures, j'ai l'impression d'avoir rêvé. Toutes nos trajectoires se rejoignent bien en un seul et même point. Il n'y a qu'à maintenir cette trajectoire. Énergie photonique maximale, Shirka. Fonce droit sur ce point. Bien, Ulysse, je maintiens le cap. Énergie photonique maximale. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer. Ah alors, le mur des glaces galactiques. Vite, les enfants, venez, venez voir, nous l'avons enfin trouvé cette fois. J'en suis sûr, c'est bien lui. Nous venons de trouver le mur des glaces galactiques que nous cherchions. Papa! C'est vraiment vrai? Je ne crois pas mes yeux. Moi non plus. Cette fois, c'est sûr. Nous nous rapprochons de notre système solaire. Nous revenons vers la Terre. Oui, Ulysse, mais tu n'as pas encore retrouvé le royaume d'Hadès. Il ne saurait être loin maintenant. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Mon frère, et vous tous, compagnons. Vous avez attendu longtemps, mais bientôt vous serez libres. Ulysse a retrouvé le chemin de la Terre. Ah. Bientôt nous arriverons au royaume d'Hadès. Votre délivrance est proche, mes amis. Bientôt vous sortirez de votre long sommeil. Oui. Shirka, par toutes les galaxies. Que se passe-t-il, Shirka? Nous pénétrons dans une zone de faible luminosité. Application du programme énergétique numéro 2. Ouverture maximale de l'iris. Écran protecteur. Regarde, Télémaque! Alerte, des objets volants en forme de papillons traversent l'écran protecteur. Ah! Fais-les partir, Shirka. Par la grande galaxie, débarrassons-nous d'eux et sortons de cette zone. Shirka, onde de répulsion à 100%. Onde de répulsion inefficace. Ces papillons absorbent toute notre énergie. Ferme au moins l'iris. Trop tard, je ne peux pas. Toutes les ondes de l'Odysseus sont brouillées. Le radar ne fonctionne plus, impossible d'avoir des données extérieures. Je ne contrôle plus notre trajectoire. Il faut y arriver, Shirka. Même à l'aveuglette, nous devons continuer. Maintiens à tout prix notre trajectoire. Compris, Ulysse. Tout système automatique branché en attendant. On dirait des papillons de nuit. Mais ce sont des papillons de nuit. Mais oui, c'est la lumière qui les attire peut-être vers l'Odysseus. Il serait alors possible de nous en débarrasser. Éteins tout, Shirka. Tout? Même le cockpit? Surtout le cockpit. C'est la zone la plus brillante du vaisseau. Éteins absolument tout. Bien, Ulysse. Alerte, alerte, obstacle droit devant, trop tard pour dévier. Vite à vos postes, serrez vos ceintures. Attention, impact prévu dans 13 secondes. 8 secondes. Shirka, donne toute la puissance de freinage. Bien, Ulysse. 4, 3, 2, 1, 0. Désolé, Ulysse, le système de freinage n'a pu empêcher le choc. Ulysse! Shirka! Shirka!
Et les compagnons? Noumaïos! Nono, va chercher les robots réparateurs pour réparer Shirka immédiatement. Eh oui, tout de suite! Ouf, ils vont bien, Télémaque. Oh Nono, c'est vrai, tu n'as jamais vu la neige. Oh, quelle tempête épouvantable! Il sera difficile de vérifier les dégâts. Je me demande où nous sommes. Voyageurs des ténèbres! Père, tu entends? Emmenez-moi! Je m'appelle Ulysse. Qui es-tu? Et où veux-tu que nous t'emmenions? Ne vois-tu pas que nous sommes des naufragés? Je suis Orphée. Emmenez-moi là-bas. Aidez-moi à traverser le Styx. Emmenez-moi dans le royaume d'Hadès. Le royaume d'Hadès? Alors je ne m'étais pas trompé. Oui, oserais-tu m'y emmener? J'oserais, mais c'est là que mes compagnons doivent être délivrés. Mais toi, Orphée, pourquoi veux-tu aussi rejoindre le royaume d'Hadès? Parce que je veux revoir Eurydice, celle que j'aime. Eurydice? Je sais qu'elle m'attend là-bas, chez Hadès. C'est Charon qui l'a emmenée à bord de mon vaisseau naufragé. Je dois la retrouver. Je ne peux pas continuer à vivre sans elle. Oh, regarde là-bas! À côté de l'Odysseus, qu'est-ce que c'est? Cet homme, empêchez-le de décoller. Maintenant, c'est trop tard, j'en suis sûr, elle est perdue. Lui, c'est Charon, nous ne pouvons rien faire contre lui. Qui est Charon? C'est le passeur qui fait franchir le Styx à ceux qui vont entrer chez Hadès. Tu veux dire que mes compagnons seront citoyens du royaume d'Hadès pour toujours? Pour l'éternité. Quiconque traverse le fleuve Styx ne pourra jamais plus revenir en arrière. Mais c'est impossible, Orphée, tu te trompes. Zeus lui-même nous avait promis que mes compagnons retrouveraient la liberté au royaume d'Hadès. Guide-moi, Orphée. Il faut absolument que je puisse retrouver les compagnons dans le royaume d'Hadès avant qu'il ne soit trop tard. Que nous puissions les retrouver, Ulysse. Plus vite, on ne voit presque plus l'Odysseus. Ça du tout. Oh, le Styx, ce n'est qu'une énorme masse de papillons. Qu'est-ce que c'est, Orphée? La ville d'Hadès, c'est le centre du royaume. Attention, Ulysse, cette zone est très dangereuse. Vite, franchissons cette barrière. Franchissons-la avant qu'elle ne se referme. Même si nous passons, Cerbère viendra attiré par notre chaleur. Cerbère? Mais qui est Cerbère? C'est un satellite d'interception à trois têtes. Il garde l'entrée. Moi aussi, j'ai pu arriver jusqu'ici en suivant Eurydice, mais j'ai dû battre en retraite devant Cerbère quand je l'ai vu. Tu as bien dit que Cerbère était attiré par la chaleur. Mais c'est de la folie! Nous allons être broyés! Thank you.
seul moyen de lui échapper, c'est de rester sous l'iceberg. Il ne pourra pas détecter notre chaleur. Prisonniers, nos chers compagnons. Nous sommes devant le palais d'Hadès. Je suis sûr que c'est là que Charon a emporté tes compagnons tout à l'heure. Allons-y. Citoyens d'Hadès, réjouissez-vous. De nouveaux citoyens ont traversé le Styx. Ils seront bientôt parmi vous. Non, non, pas mes compagnons. Attention, ils viennent vers nous. Pourquoi nous tournent-ils le dos? Ce sont des citoyens d'Hadès, n'oubliez pas qu'ils sont morts, et surtout ne les touchez pas, sinon vous deviendriez comme eux. Hey, ne me touchez pas, je veux rester un petit robot au moins! C'est nous qui les avons réveillés, c'est la vie qui les attire. Espérons que nos compagnons ne sont pas encore parmi eux. Vite au palais d'Hadès! Le palais d'Hadès est au-dessus de la colonne de lumière. Qui sait où peut nous mener cette voie? La ville, le Styx ou les ténèbres, peut-être. Oh. Eurydice, m'entends-tu? Eurydice! Non, Orphée, reviens! Je t'en prie, où vas-tu? Attends-moi! Orphée, n'y va pas! Attends! J'ai trop attendu! Partez! Partez sans moi! Orphée, je t'en prie, non! Eurydice! Je te cherche depuis si longtemps, mon Eurydice! Noumaïos, Nestor, non, restez! Vous vous éloignez du palais d'Hadès, revenez! Oh, Noumaïos, mon frère, reviens! Oh, il risque de devenir comme les autres, Ulysse! Je sais, mais j'empêcherai cela par tous les moyens. Télémaque, va avec Thémis vers le palais.
Non, père, j'ai peur que tu deviennes leur prisonnier comme Orphée. Fais-moi confiance, mon fils. L'un de nous deux doit résoudre ce mystère. Il est normal que ce soit moi. Toi, tu dois retourner vers la Terre. Pas sans toi. Va, mon fils. Va. Oh, père, reviens, reviens! Bienvenue à toi, Ulysse aux mille ruses. Viens rejoindre les compagnons, comparez devant Hadès. Oh, Hadès accepte le souhait de Poséidon, maître des tridents. Oh, grand juge, ce terrien a détruit le cyclope, créature de Poséidon. Il ne doit pas repartir d'Hadès. Rendez-moi à mes amis, mes compagnons. Oui, Hadès, montre-toi, dieu de l'Olympe. N'ai-je pas assez brillamment lutté pour sauver ma propre vie, celle de mes enfants et celle des compagnons, Zeus? N'avons-nous pas triomphé de toutes les épreuves? Ulysse, Hadès t'écoute. Hadès, je t'en conjure, laisse-nous enfin partir. Ah, Ulysse, laisse-moi tes compagnons et tu retrouveras le chemin de la Terre. Pourquoi est-ce que les dieux ne tiennent donc jamais leurs promesses? Ne nous contrarie pas, Ulysse. Obéis, et tu seras bientôt chez toi. La Terre. La Terre, Ulysse. La Terre est celle que tu aimes t'attend. Oh, ma Pénélope. Avec tes enfants, tu vas enfin retrouver les tiens sur la terre de tes pères. Maintenant, Ulysse, dis adieu à tes compagnons. Ils seront bientôt citoyens de mon royaume. Non, jamais, jamais, Hadès. Je les ai amenés jusqu'à ton royaume afin de les délivrer et non pas pour les abandonner. Alors, Ulysse, tu viens de renoncer à ton retour sur la terre. Pour toi, tout est fini. Ainsi, Ulysse aux mille ruses, tu seras toi aussi citoyen d'Hadès pour l'éternité. Qu'importe, je préfère rester ici à tout jamais plutôt que de rentrer sur la terre au prix de la trahison de mes compagnons. Ton marché est ignoble, je le refuse. Fais de moi ce que tu voudras, mais tu ne me feras jamais renoncer à mon vœu sacré. Adieu, ma terre, ma femme, mon enfant. Jamais je ne vous oublierai. Cet homme a franchi nos obstacles, déjoué nos pièges, enduré toutes nos épreuves. Celle-ci est la dernière. Hadès! Ulysse, tu n'as pas hésité à entrer dans mon royaume. Que la promesse de Zeus soit tenue. Prends tes compagnons et rentre chez toi. Papa! Télémaque, Thémis, mes enfants. Oh, Ulysse, papa! Oh, papa! Exactement comme dans mon rêve. Oh, Noumaïos. Enfin, Thémis, enfin, ma chère sœur. Euryclée, Nestor, fidèle compagnon, vous m'avez tant manqué. Merci, Ulysse, nous te devons la vie. Que la paix solaire t'accompagne partout où tu vas, car tu nous as délivrés. Et maintenant, finis les épreuves. Partons, rentrons tous à la maison. Shirka, programmation trajectoire vers le mur des glaces galactiques, puis direction la Terre. Programmation en cours vers la troisième planète du système solaire. Ouverture maximale de l'iris. Énergie maximale programmée.
Bientôt la Terre, mes amis. Télémaque, qui sait si l'histoire de nos épreuves ne traversera pas les siècles? Je deviendrai peut-être le robot le plus célèbre. Ce qui compte, c'est de revoir enfin maman. Oh oui, tu as raison, et nous aussi, nous reverrons nos parents. Quand nous aurons franchi les glaces galactiques, Zotra ne sera plus bien loin. Oui, mes amis, c'est la fin du voyage, nous rentrons. Par la paix solaire, vive Ulysse et vive la Terre, vive Ulysse, mes amis. Vive Ulysse! Ça a été un bien étrange voyage. Un beau voyage.